Salut, salut! On se retrouve pour un nouvel épisode de Lego Avengers. La dernière fois, on s'était arrêté. On avait capturé Loki dans l'avion là, avec Iron Man et Captain America. Et notre très cher ami Thor est venu l'enlever et l'emmener ici. Du coup, on se retrouve encore avec Captain et Iron Man. Et on va devoir, je suppose, combattre Thor. Jusqu'à ce qu'il devienne notre allié, comme dans le film, hein. Donc on va voir ça tout de suite. C'est parti. Donc la dernière fois, on avait sauvegardé ici. Hop. Alors, on va déjà commencer par tout récupérer, comme d'habitude. On va très certainement se faire embêter par des méchants. Tiens, on vient de casser une toile d'araignée. D'accord, très bien. J'aime bien les pièces qui sont glitchées dans le décor, du coup on peut pas les récupérer. J'adore quand ça fait ça. C'est trop bien. Enfin bref, du coup, tac tac tac, on casse tout ça. Ah, là on a des petites pièces. Hop. On explose tout. Boum. Ok, ça c'est fait. Ça c'est fait. J'ai cru que, encore une fois, j'allais pas pouvoir les récupérer. Tac tac tac, ici on a encore des petites choses. C'est très le décor ici, tiens. C'est dans une petite forêt. Hop hop hop. On essaye de tout récupérer comme d'habitude, histoire d'avoir le maximum de pièces, être un véritable Avengers. Comme ça on n'aura pas à refaire le niveau, ce sera très bien. Et en plus de ça, on va pouvoir débloquer un peu plus de personnages, si je dis pas de bêtises. Mais bon, de toute façon, je pense que ce niveau faudra le refaire avec d'autres persos. Parce que juste avant, il y avait les espèces de trucs roses là qui sont activables seulement par ceux qui ont des pouvoirs télépathiques, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, on est un véritable Avengers. Ça, c'est cool. C'est super. Alors, est-ce qu'on peut défoncer tout ça? Les grosses armes, j'ai l'impression qu'on peut pas les défoncer. Ok, d'accord, très bien. Non, celui-là non plus. Et on peut même pas aller de l'autre côté. Mais il a l'air d'y avoir autre chose. Ok. Est-ce que ça... Ouais. Ça, ça donne masse pièces. Après, il y aura un petit truc à faire ici. On va d'abord finir de défoncer tout ce qu'il y a là. Hop. Ok. Bon, bah ça c'est pas mal. Ça. Ouais, si ça on peut le défoncer aussi. Alors voyez. Ah non, c'est bon. Allez. Si, bah si, hein. Voilà, ces pièces là je peux pas les récupérer. Bon, c'est pas grave parce que on est un véritable Avengers, donc c'est cool. Pourquoi? Ah oui, d'accord. Ah, le marteau de Thor. Oula. C'est elle que vous portâtes ces draperies. D'accord. C'est très le combat de titans. J'ai beau appuyer sur K. J'ai pas l'impression que ça fasse grand chose. Alors j'essaie d'appuyer sur en répétition, ça marche pas. Rester appuyé, ça marche pas non plus. Ok.
Alors peut-être qu'il faut appuyer au dernier moment. Ah mince. J'ai. Non. Bon, je comprends pas là. Ah si, ça y est. J'ai appuyé en répétition et ça a l'air d'avoir marché. Ok, on a débloqué un nouveau décor, ça c'est cool. Là où on a tort. Alors, on va juste remonter un petit peu, histoire de... Non. Thor, tu veux pas? Tu veux pas nous laisser... Oh là là. Ok, d'accord, casse tout. Très bien. Bon. On va essayer de vite récupérer tout ça avant d'aller le combattre. Parce qu'il a l'air bien énervé. Hop. Oh. Encore? Non mais c'est bon là. Laisse-moi récupérer tout ça d'abord quoi. Ok, alors là on a un petit truc à récupérer mais il faut un espèce de chat là, que ce soit Wolverine ou je ne sais pas qui. Quelqu'un qui récupère, enfin qui arrive à creuser dans le sol, donc ça on n'a pas encore débloqué ce perso. D'ailleurs j'arrive pas trop à voir dans le film, enfin dans les films d'ailleurs, quel personnage ça pourrait être. Parce que là ils disent que c'est... qui c'est? Bon, on sait même pas comment elle s'appelle. Ok, d'accord. Bon, très bien. Bon, mais c'est pas grave. On le verra bien assez tôt. Hop, on casse tout ça. On va essayer de pas se faire toucher par, par les éclairs de Thor. Bon, ça va. Ils ont l'air d'être positionnés à peu près toujours au même endroit. Tac. Donc, pour le moment, ça va. Hop, encore un petit arbre ici, ok, ça c'est bon. Ok, tout ça on a pu détruire. Ok, ça c'est bon. On a encore ici. Wouhou! C'est la pluie de pièces. C'est cool. Ok, ça c'est bon. Ça c'est bon. Alors on va avoir besoin de Captain America, je sens. Aïe aïe aïe. Ok, c'est bon. Ah, il y a 5 araignées à trouver. Ok. Ah d'accord, pour ça il nous faut la solution nécessite un peu plus pouvoir de psychique. Ok, d'accord. Donc je suppose que c'est une, c'est la jumelle hein, qu'on a vue au tout début là, qui est méchante au début. Mais on ne l'a pas encore débloqué je crois, ou alors du moins il faut qu'on la... ça c'est quoi? C'est creusé, c'est ça non? Ouais non, ça on peut pas non plus. Qu'est-ce qu'il nous dit lui? Ok, c'est ceux qui ont les griffes, d'accord, très bien. Hop, on va casser ça. Oh, il y a un truc là-dedans. C'est quoi ça? Oh, il y en a une qui est verte. Très bien. Du coup, on va prendre Captain. On va aller déjà éteindre le feu là-bas. Aïe. Ok, ça, c'est bon. Monsieur là-bas, il veut pas nous laisser. Ok, on a une espèce de grosse tronçonneuse. D'accord, très bien. Ok. Cool. Ok, alors du coup, on va récupérer toutes les petites pièces qui sont là. On va essayer d'aller voir là, ici, ce qu'il nous propose. Je crois qu'il va falloir Captain et qu'on le part. Ok, on charge ça. Ah, et il nous faut Iron Man. Ok, d'accord. Évite de te prendre des charges, s'il te plaît. Ok, il va prendre la grosse ronçonneuse coupée là, sur lequel est Thor. Mais tu sais que Thor, il peut voler quand même. Hein. Ok, très bien.
Alors, K. H. Allez. C'est le combat de titans. K. Allez. Ils vont y arriver quand même. Ouais, nickel. Ok, le troisième décor. Ah, on a encore une araignée. La quatrième sur cinq, je crois. Et la cinquième est à gauche. Ok, super. Ok, méchanteur. On va tout casser. Où est passé Captain? On a perdu Captain. Ok, là on peut redescendre, j'ai l'impression. Ah ouais, ok, d'accord. Ok, cool. Bon, de toute façon, avec Iron Man, on peut voler, hein, donc c'est pas un problème. Ok, ça c'est bon. Tac. Ça, on peut le casser aussi, voilà. Hop. La quatrième toile d'araignée. On casse tout ça. Ok, ça. Ça c'est bon. Ça c'est bon. Est-ce qu'on peut shooter la toile d'araignée d'ici? Ouais, ça y est, on a les cinquièmes. Ok, nickel. Nickel. Qu'est-ce que je suis censé faire là? Ça, ok, d'accord. Hé hé, je t'ai fait tomber de ton arbre. Ok, là on a un pont. Loki qui regarde de là-haut. Qui nous fait coucou. N'importe quoi. J'adore l'humour qu'il y a dans ces Lego là. Alors déjà avec l'humour Marvel, c'était déjà super. Mais alors en plus avec l'humour Lego, c'est encore mieux. Je sais pas ce que vous entendez, mais moi ils me font trop marrer quoi. Entre leurs mille checks, leurs petits trucs et tout. Alors du coup ici, qu'est-ce qu'on a? On a un truc à construire, ok. Est-ce qu'on a autre chose à défoncer? Oula. Ok, ça c'est bon. Plus ça va, plus il fait d'éclairs, hein, j'ai l'impression. What? Ok, d'accord. Alors on peut pas trop s'approcher de lui. Ok, ça c'est bon. Oh non, j'ai encore été prise. Ok, ça c'est bon. Non mais Captain, oh là là. Bon, on construit ça. Je sais pas trop ce que ça va être. Qu'est-ce que c'est? Tac, une plateforme. Ok, voyons voir. H. Ok. Et elle fait quoi ta super machine là? Ah. Ah. Ok. Alors, voyons voir. On va essayer de récupérer déjà toutes les pièces si on peut. Allez, on reconstruit vite fait. Ça a l'air d'être un espèce de canon à la Iron Man, mais dirigé par Captain America. Ils font vraiment la bonne paire, eux deux là. Hein. Ah oui, d'accord, c'est vraiment un canon à Iron Man, quoi. Excellent. Ah mince, je me suis fait tuer. Je voulais juste récupérer les pièces, quoi. Ok, alors, tac, on active et on va envoyer Iron Man foncer dans Thor. C'est parti. Ça y est, on l'a eu. Ça suffit. J'ignore vos intentions. Je suis venu mettre un terme au projet de Loki. Prouvez-le. Posez ce marteau. Que je pose ce marteau !
C'est réglé. Ok, donc on a réussi. Excelsior. Alors, Black Widow. Mince, on n'a pas vu. 7 sur 250, 2 sur 10. Ok, on continue. C'est parti, mon kiki. Pour clarifier les choses, si vous tentez de fuir ou même rayer cette vitre, une chute de 10 000 mètres dans un piège d'acier. Fourmi, botte. Il est attachant, finalement. Thor, à quoi il joue? Il a une armée, les Chitauri. Il veut les mener contre les vôtres. Ils lui offriront la terre en échange du Tesseract. Et il s'est laissé capturer? Oublions Loki, il est salement fêlé, il respire la maladie mentale. Vous étiez au courant de ça? Loki a perdu la raison, mais c'est mon frère. Il a été adopté. Prenez un week-end. Je vous amènerai à Portland. De l'iridium? Pourquoi ils ont besoin d'iridium au juste? Un stabilisateur. Je suis le seul à l'avoir lu? Sans rancune, tu dépotes. Banin. Hey! Vous êtes cinglé. Menacer la sécurité à bord n'a rien de drôle. Et régler les problèmes, Monsieur Stark. C'est pas ce que je fais? Pourquoi Fury ne nous a pas appelés avant? Que garde-t-il pour lui? Fury cache des choses? Je devrais enquêter quand mon décrypteur aura craqué leur fichier sécurisé. Je crois pas qu'on devrait fureter dans le dos du directeur Fury Captain Rogers, monsieur. Ok. Alors, visiblement, on a... que le Captain Rogers. D'accord, très bien. Non. Donc on a Captain Rogers, on a le monsieur là, et visiblement on a que ces deux là. D'accord, je pensais qu'on avait accès aux deux autres. Bon, bref, est-ce qu'on peut sauvegarder quelque part? Je ne crois pas. Et moi, ce que je vous propose, c'est que on va se laisser là pour cet épisode. On verra la fin de cette salle, enfin le début même et la fin de cette salle, dans le prochain épisode qui sera lundi prochain. Donc, moi je vous laisse là. Je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu, un commentaire ou à vous abonner comme d'habitude. Et puis voilà, donc gros bisous, et puis à la prochaine. Ciao, ciao.